C'est un chagrin, mais les larmes ne veulent pas couler comme le pus d'un bouton infecté qui ne veut pas se crever. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, bonsoir. Ce soir, j'ai l'honneur, le privilège, l'envie, la gourmandise, la luxure, la joie et pour finir, l'orgasme d'accueillir Nadine Morano. Bon, alors, j'aimerais qu'on me rappelle quelques règles autour du sujet, du thème, de la matière à discuter qui avait pour thème, donc je le rappelle, la troupe de théâtre. Règle numéro 2, Julie. Tous les hommes sont libres et égaux en droit, sauf le metteur en scène, qui est au-dessus de toutes les règles et de toutes les lois, et qui, en tout cas, je parle pour notre troupe à nous, est quelqu'un de merveilleux et de très important. Les enfants, l'heure est grave. Il faut absolument, et j'ai bien dit, il faut absolument, retrouver cette dénommée Milena, sinon on ne pourra jamais. Et j'ai bien dit jamais, jouer la première dans ce théâtre. Milena en kit et en carton. Un peu comme si c'était Milena, à la seule différence, c'est qu'elle est en kit et en carton. Oh! Bon, s'il vous plaît, les gars, franchement, sincèrement, j'aimerais qu'on puisse rencontrer qu'un régisseur, qu'un public qui est presque là, qu'il y a des lumières qui sont presque là, elles aussi. Hein, bon, sincèrement, qu'il faut la trouver, parce que je vais pour la distribuer. C'est pas possible, Félicien, il faut la trouver. Sur ce, messieurs les censeurs, bonsoir. Mais qui est Philippe Chaude? On appelle au ventre de la terre. Comment ça, non? On t'a rien fichu. Bah non, j'ai trouvé une solution.